Sterling. Pour Silva. Oh, quel but de Silva. De Bernardo Silva. Quel Salut but. Les gars, on se retrouve pour l'épisode 7 de la Car Manager avec Manchester City. Et dans cet épisode, on a le match retour de Ligue des Champions en phase de groupe face à Atalanta. Si on gagne, on est sûr d'être qualifié, les gars, pour les 8e. Après, on affronte Aston Villa. Et le match le plus attendu de la saison face à Liverpool, les gars. Vous rêvez pas, Liverpool, l'un des matchs les plus attendus et qui va être les plus chauds de la saison, les plus compliqués, certainement. Et puis, let's go pour ce premier match de l'épisode. Prends très rapide et voilà, Riyad Mahrez, la frappe de Mahrez, l'arrêt du gardien, j'y crois pas. Walker. Walker pour Kevin De Bruyne, De Bruyne. La frappe de De Bruyne et le 1-0. Le 1-0 à la 22e minute, les gars. Agüero qui l'a remue sur lui-même du coup pour Silva. La prise de vitesse de Silva. La frappe de Silva. Oh là 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 là, juste à côté. Allez, mi-temps, on mène 1-0 face à Atalanta, les gars. Du coup, on va faire rentrer James à la place de Bruyne. Et on va faire rentrer... est-ce qu'on ferait pas rentrer Foden? Non, on va pas faire rentrer Foden. On va faire rentrer personne d'autre. Et let's go pour cette seconde période face à Atalanta. De Silva, le sprint de Silva. Qui la met sur Sterling. Sterling qui est passé sans trop de problèmes. Sterling pour Mahrez, la frappe de Mahrez et le 2-0. Juste après la mi-temps, le 2-0. La passe D décisive de Sterling et le but de Riyad Mahrez. Qui était tout seul. Bah, frappe pied gauche du côté droit. C'est le 2-0. C'est le but de Riyad Mahrez. Agüero, Agüero qui la met sur Sterling. La vitesse de Sterling, Sterling pour Silva. Oh, quel but de Silva, de Bernardo Silva. Quel but, les gars. Le 3-0, le 3-0. Oh, Agüero qui est passé. D'accord, Agüero qui est passé. La frappe d'Agüero, le 4-0. Oh, comment on est en train de les planter. Comment on est occupé de les planter avec des petites aiguilles, là. 4-0, les gars. Mais quel solo de Kun Agüero. Quel solo, la défense qui a lâché le match, très clairement. Regardez-moi ça, Agüero qui est passé avec son 2 de vitesse, là. Et le public qui crie Champions League, en plus, c'est magnifique. Le centre de Benjamin Mendy sur Gundogan. Quoi, le but? Mais c'est une blague, le gardien. C'est une blague, le gardien, le ralenti. Qui est la double feinte de Mendy, suivi d'un centre. Et la frappe loupée de Gundogan et le gardien qui plonge à côté à cause du rebond. 5-0, les gars. Le 5-0. Oh là là, Sterling. Oh là là, Sterling. Oh là là, Sterling. La frappe de James. Le 6-0. Le but de James Rodriguez. Et quel taf de Sterling. Troisième passe décisif dans ce match. Et James qui marque, j'y crois pas. Le but de James Rodriguez, les gars, est-ce que ça va être l'élément déclencheur de James? Ça serait incroyable quand même. Allez, fin du match. Victoire 6-0, les gars. Homme du match, Sterling. C'est mérité, Sterling. Qui a fait 3 passes décisives. C'est juste monstrueux. Il a tout réussi, Sterling. Il a tout réussi. Il était incroyablement fort dans ce match, tout simplement. Et puis ça fait plaisir, Sterling qui a pas hésité à faire du mal. Est-ce que le Shakhtar a joué contre Zagreb? Et oui, c'est le 1-1. Ok, donc la deuxième place c'est pas encore jouée. La porte, qu'est-ce qui nous veut, la porte? Merci de me faire autant jouer dans l'équipe, je vais donner le meilleur de moi-même. Ne te laisse pas griser, tu me fais plaisir, on va le dire. Ça me fait plaisir de voir que tu travailles dur et j'ai hâte de te voir jouer plus souvent. Même s'il est titulaire indiscutable avec nous. Voilà, et puis let's go pour le match face à Aston Villa. On va mettre l'équipe B. Comme ça, on aura l'équipe 1 contre Liverpool. Et puis, let's go. Oh là là, le tout droit, le tout droit, le tout droit, le tout droit. Attention. Oh là là, c'était quoi cette frappe? Il nous a tiré un missile nucléaire, le mec. Allez, attention à l'attaque ici d'Aston Villa. Faire attention à cette action comme ça, là. Très bien joué le retour défensif de Stone. Allez, Jesus. Pour Fernandinho, la frappe et le but.
Le 1-0 à la 33e, on marque enfin. Et ça n'est en 35 minutes. Oh là là, ça n'est. Ça n'est. Le centre pour Rames. Oh là là, le 2-0, le deuxième but de Rames dans cet épisode. Et quelle passe de Sané. Quel réveil de Rames, les gars. Le réveil de Rames. Quelle reprise de volée, frappe pied gauche. Et le gardien qui a vu que du feu. Gundogan sur Rames, justement. La frappe de Rames. Oh là 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 là, juste à côté. Allez, les gars, c'est la mi-temps. Mène 2-0 à domicile face à Aston Villa. On va faire rentrer Garcia à la place de Otamendi. Et puis, let's go pour cette seconde période. Gundogan sur Jesus. La frappe de Jesus. Oh là là, l'arrêt du gardien. Roy Sané. Le Roy Sané x5. Le Roy Sané x6. x7. Et c'est le but. C'est le 3-0. But de Le Roy Sané, les gars. On vient prendre les 3 points sûrs et certains ici face à Aston Villa. C'est bien joué ça. La frappe de Jesus. Oh, juste à côté. Les fins du match, victoire 3-0 les gars. Homme du match, Le Roy Sané. Il a pas volé son match. Très beau match, victoire 3-0 contre Aston Villa. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement. Quel taf de Leroy Sané et James Rodriguez qui s'est réveillé. Il s'est réveillé Leroy Sané. Ouais, il s'est réveillé lui aussi. James et Sané se sont vraiment réveillés dans cet épisode, ça fait plaisir. Alors, équipe 1, hop là, De Bruyne avec Agüero. Suggestion, passe de capitaine, je m'en fous. Alors, je vous rappelais en sélection, Agüero, Otamendi, Ederson, Rezos. Il n'y a pas de surprise, il n'y a vraiment pas de surprise. Du coup, l'équipe 1, Agüero, Mahrez, Sterling, Silva, De Bruyne, Rodri, Koulibaly, Walker, Laporte, Mendy, Ederson. Et puis, let's go pour ce dernier match. C'est parti pour ce choc face à Liverpool. On est à l'extérieur, les gars. Ça va être très, très, très tendu. Oh là là, l'attaque de Liverpool. Oh là là, l'arrêt d'Ederson. Oh là là là, l'arrêt d'Ederson. Silva qui la met sur Sterling. Sterling pour De Bruyne. La grosse frappe de Kevin De Bruyne et l'arrêt d'Alisson. Dit en profondeur pour Sterling. Sterling. Ouh, l'attaque de Sterling. La grosse frappe de Sterling. Quel but. Quel but de Sterling. Il me fait penser un petit peu au but de Memphis Depay face au PSG en 2017, je crois. Je crois que c'était en 2017 que Memphis Depay avait mis ça au PSG. Ou en 2018, je sais plus c'était quand. Mais très belle frappe de Sterling. Oh là 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 là. Le 1-0 face à Liverpool. C'est Riyad Mahrez. La frappe de Mahrez et le 2-0. Le 2-0 face à Liverpool. À la 40e minute. But de Riyad Mahrez, les gars. Le 2-0. Le 2-0 face à Liverpool. Riyad Mahrez qui vient pour l'instant nous mettre à l'abri face à Liverpool. C'est la mi-temps les mecs, on mène 2-0 face à cette équipe de Liverpool. On va faire rentrer James à la place de De Bruyne. On va faire jouer Cancelo à la place de Mendy. Et la porte, on va le décaler. Comme ça, ouais, non, on va essayer comme ça. On va essayer le Cancelo à gauche pour ce que ça donne. Et puis, let's go pour cette seconde période face à Liverpool. Oh, Mahrez qui est passé. La frappe de Mahrez et l'arrêt d'Alisson. Histoire de les enterrer. La frappe de Laporte. Ok, but d'Emeric Laporte. Le 3-0 contre Liverpool. La victoire qui est assurée, les 3 points sont assurés, le gros match est réussi, il est assuré, c'est parfait. Et la porte qui frappe et qui marque, je m'y attendais pas, le gardien ne devait pas s'y attendre non plus. Oh la tête, Koulibaly, Koulibaly qui marque et qui va célébrer devant les supporters de Liverpool.
Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais pas, cette tête de Koulibaly. Koulibaly qui est arrivé tel à Tourou et pouah, grosse tête bien puissante. Le 4-0 contre les Reds de Liverpool. Et c'est la victoire. 4-0 contre Liverpool. On a eu de la finition parce que regardez les stats. Voilà quoi, y a, le match est disputé sur les stats, mais pas dans le terrain. Koulibaly homme du match. Allez, on va aller à l'interview d'après-match parce que c'est une grosse victoire là. Très très grosse, alors que United a gagné juste 1-0 contre Brighton. Donc Brighton a clairement tenu tête à United quand même, mine de rien. Alors, ils vont nous parler de qui? De Koulibaly. Alors, de Otamendi, pourquoi n'a-t-on pas vu Otamendi jouer? Déjà, il a joué un petit peu. La concurrence est saine, voilà. Ils ont livré des grands matchs, c'est gratifiant. Et la concurrence est saine, je veux qu'ils se battent pour leur place sur le terrain. Alors, on est invaincu en Premier League. Nous en sommes capables de rester invaincus. Très clairement. Et dites-nous, alors, vous avez infligé une lourde défaite à vos rivaux. Avez-vous préparer ce match différemment? Non, mais c'est une belle journée vu le match. C'est une très très belle journée. Mais si on les respecte, on les a déglingués. Du coup, voilà, ça a fait plaisir. Une victoire 4-0 contre Liverpool, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Alors, je suis très sensible. Qu'est-ce qu'il me veut? Je suis très sensible au fait que vous m'ayez laissé une chance dans l'équipe. Honorez votre confiance. Ne te laisse pas griser. Tu joues bien, tu dois continuer à travailler pour gagner ta place. Voilà, parce qu'il y a Zinchenko, mine de rien, il est chaud, chaud, chaud. Et du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce,